Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous le tirage pour ce week-end. Donc on va commencer ce tirage, on va voir ce que nous avons aujourd'hui. Donc pour ce week-end, on va voir les énergies qui vont nous accompagner les amis. Et j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien reposés, en forme, pour avancer dans ce week-end, ce beau week-end qui, je l'espère, va être ensoleillé pour nous tous. Alors, on va couper. Alors, le jardin et le serpent. Donc, ce week-end, vous allez vous sentir ressourcé et vous allez peut-être avoir envie de partir dehors, à l'extérieur, pour faire une petite randonnée ou en tout cas quelque chose pour vous ressourcer à l'extérieur, pour prendre l'air de la nature. Et il y a une grande transformation qui se met en place pour ce week-end. Il y a quelque chose qui change à l'intérieur de vous. Vous vous sentez métamorphosé. Alors, on va tirer trois cartes pour commencer. Donc, on va prendre celle-ci, hop, et celle-ci. Alors, la cigogne, l'arbre et la clé. Donc, ce week-end, vous allez sentir des changements qui se mettent en place pour vous et ce sont de grands changements dans votre vie. Vous allez avoir vraiment un changement important qui va arriver pour vous et c'est une belle évolution. On voit que les choses sont en mouvement et vont évoluer vers quelque chose de plus positif. En tout cas, vous êtes dans ces énergies où vous avez envie de mettre en place une évolution dans votre vie. Vous avez envie de mettre en place une concrétisation de projet. Et ça peut passer pour certains par un changement dans une relation, un changement très positif, un changement sur le plan professionnel ou par rapport à un projet, tout dépend. Mais en tout cas, ce week-end, vous allez vous sentir ressourcé. Et il y a quelque chose qui change à l'intérieur de vous et qui va vous guérir intérieurement. Donc, je ressens vraiment ces énergies d'apaisement, de guérison et de force intérieure. Vous allez aussi vous réancrer à la terre pour pouvoir vous plonger dans vos racines. Et on voit vraiment cet ancrage, comme si vous étiez à la base de vos racines pour vous ressourcer, pour vous apporter cette guérison intérieure. Et pour certaines personnes, il peut y avoir un changement très positif qui est de l'ordre du bien-être. Donc vous allez pouvoir vous ressourcer intérieurement et aussi vous apporter du bien-être. Ça peut être par une activité qui vous ressource intérieurement, qui vous fait plaisir et qui vous fait du bien. En tout cas, vous avez la clé de vos projets, la clé pour pouvoir débloquer une situation et pour pouvoir avancer. Et on voit que cette solution qui va être apportée va apporter cette évolution dans votre vie. Quoi que ce soit, ce changement est très positif et vous permet de vous réancrer, de retrouver une stabilité. On a aussi l'impression de se reconnecter à ses racines, de retrouver la base de ses projets, de se retrouver en pleine ressource des énergies que vous avez. Et en tout cas, c'est une belle évolution que vous allez avoir et la clé est dans vos mains. Donc vous pouvez avancer et ouvrir la porte pour pouvoir être dans une phase de guérison. En tout cas, ce week-end, il y a aussi quelque chose qui va changer en vous. C'est aussi intérieurement. Vous allez sentir que quelque chose bouge à l'intérieur de vous et modifie certaines choses dans vos projets. Donc c'est très positif. Vraiment, c'est une belle opportunité qui se présente pour vous. Alors, on va prendre une carte pour l'amour, une pour le travail, une pour le bien-être et une pour la spiritualité. Voilà. Hop. Alors, pour l'amour, nous avons le bouquet. Donc ici, c'est comme un cadeau, comme quelque chose qu'on va vous offrir et qui va vous faire plaisir. Ça peut être le fait de faire une sortie à deux, de faire quelque chose qui vous distrait. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vraiment être très généreux et qui va vous faire plaisir. C'est comme une main tendue sur le plan amoureux, quelque chose que l'on vous offre pour pouvoir avancer. Et vous ressentez du coup ce cadeau qui vous est offert, qui vous permet d'avancer, qui vous fait plaisir. Donc c'est un beau changement positif. Pour le travail, donc pour ceux qui travaillent le week-end, hein, eh bien nous avons le soleil. Donc ici c'est l'épanouissement. Pour certaines personnes qui ont des projets également, eh bien vos projets aujourd'hui sont prospères, sont fertiles et ressentent cette énergie très lumineuse. Donc aujourd'hui vous êtes très positif. Et ça vous amène donc des énergies encore plus positives et ça vous permet d'avancer. Ça peut être également pour certains qui travaillent, ça peut être un travail en lien avec le bien-être, en lien avec la guérison.
Alors, pour le bien-être, nous avons le trèfle. Donc, on est gâtés, les amis. Vous allez vous sentir bien aujourd'hui. Vous allez vous sentir bien et il y a une opportunité qui se présente à vous et qui va vraiment vous faire plaisir. C'est comme un cadeau que l'on vous tend, comme une main tendue vers vous pour vous apporter cette chance d'avancer. Et aujourd'hui, vous avez besoin de verre aussi, besoin de nature, besoin de vous reconnecter aux plantes, aux animaux, à tout ce qui vit autour de vous, tout ce qui vous apporte cette guérison intérieure. Et pour la spiritualité, c'est les oiseaux. Donc c'est la communication. Vous allez avoir besoin de communiquer, d'échanger, de dire ce que vous ressentez, ce que vous avez sur le cœur. Ce week-end, ce sont vraiment des communications importantes, des communications spirituelles aussi, avec des échanges qui peuvent être sur la spiritualité, en lien avec votre spiritualité. Mais vous avez ce besoin de communiquer, de dire ce que vous avez au fond de vous, d'échanger. Et donc, ça se ressent vraiment avec les oiseaux. Donc, on a un très beau tirage, je trouve, les amis. Alors, on va tirer une carte pour voir quelle est l'énergie, quelle est aussi... Eh bien, ce que l'univers nous envoie. On va voir quel est ce message. Hop. Alors, c'est la forêt enchantée. Mystère, magie et moi. Et donc, vous ressentez ce week-end ces énergies qui vous plongent dans vos racines, qui vous permettent de vous ressourcer et de vous reconnecter à votre partie inconsciente. On voit ici que vous êtes reconnecté à vos émotions, à vos sensations, à ce que vous vivez et vous le vivez pleinement. C'est quelque chose de très positif, quelque chose qui est caché à l'intérieur de vous, qui a besoin de se révéler. C'est comme si vous aviez besoin de dire un secret aussi, comme si vous aviez besoin de révéler quelque chose qui est à l'intérieur de vous. Donc c'est la forêt enchantée, c'est aussi plein de mystères, comme on le voit ici, le mystère. Donc une partie très mystérieuse à l'intérieur de vous que vous avez besoin d'exprimer. Ce week-end, c'est une expression de vous-même et c'est votre inconscient qui va s'exprimer. Alors on va tirer un petit message des anges pour voir quel est le message pour vous. Donc je mélange un petit peu. Donc on voit avec toutes ces belles énergies que vous allez pouvoir vous réancrer et écouter votre inconscient. On voit que vos émotions vont être très importantes et vont vous guider. Alors, je coupe et on prend celle-ci. Nous avons le travail énergétique. La vie peut dynamiser parce que son essence même est électrisante. Votre corps est un formidable champ d'énergie qui répond incontestablement aux traitements dispensés avec amour. Vos mains et votre cœur sont activés pour soigner vos proches et vos clients. Donc vous avez cette capacité de soigner et on a tout cela en nous, cette capacité de soigner, de guérir les personnes qui sont autour de nous. Et vous ressentez ce travail qui se fait au plus profond de vous, dans vos émotions que vous avez besoin d'exprimer. Donc vous allez pouvoir, durant ce week-end, mettre à profit toutes les sensations que vous avez en vous pour les partager. C'est un réel travail énergétique, comme c'est écrit ici. C'est un réel travail d'énergie, de partage d'émotions et de sensations que vous pouvez diffuser. Alors, on va tirer une carte pour voir sur le plan amoureux quelle est l'énergie qui va accompagner votre week-end. Et attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc en fait, les amis, on vous envoie sur votre chemin chaque jour des petits signes qui sont là pour vous dire « Hé, je suis là, ne m'oublie pas, je suis à tes côtés et regarde, je suis tout près de toi pour t'envoyer ces messages, je pense à toi. » Donc fais attention à chaque signe qui sont sur ton chemin pour que tu puisses voir que je suis tout près de toi. Donc c'est vraiment un magnifique message qui va accompagner cette énergie amoureuse. Et maintenant, on va tirer un message amoureux pour voir quel est le message qui va ressortir pour vous. Donc, je vous laisse dans votre esprit réfléchir tranquillement à une demande que vous avez à faire à l'univers. Et on va voir quel est le message qui ressort. Alors, on mélange. Hop. Ah, nous avons deux messages. Donc voici le premier et voici le deuxième.
Alors, on vous dit pour le premier, seul le temps le dira. En fait, le temps va faire les choses. Le temps va vous permettre de vous poser, de vous tranquilliser pour vous permettre d'avancer. Et on vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc en fait, le temps fait les choses et chaque moment que l'on vit est important. Et on envoie des messages à l'univers aussi parce que notre âme garde en mémoire tout ce que nous avons vécu, toutes les expériences que nous avons accumulées en nous. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très bon week-end, j'allais dire une bonne journée. Mais comme ça fait longtemps que je ne vous ai pas partagé un tirage le week-end, donc voilà, dès que je peux, je le fais. Je vous fais des gros poutous les amis, très bon week-end. Profitez bien, reposez-vous et pour ceux qui travaillent, bon courage. Et je vous dis un grand merci!